écoutez, ça fait toujours très plaisir qu'on pense à vous pour justement emmener sur les fonts baptismaux un festival. Alors, bon, c'est moi que je suis une fidèle de Patrick Georges qui organise beaucoup de festivals. Et quand il m'a demandé de parler de ce festival, j'ai dit oui, mais je travaille en ce moment, je ne sais pas si c'est disponible. Et je trouve que je travaille juste à côté à Toulon sur la suite de maison de retraite. Donc ça ne peut pas mieux tomber. Donc je suis arrivé à Aubagne cet après-midi, trois quarts d'heure de train, et c'est super. Je suis ravie. Je dis toujours que c'est le cinéma qui est venu à moi. Donc j'ai la chance de perdurer depuis plus de 30 ans. Après avoir fait le film de Colin Serrault, on me fait travailler dans des téléfilms, dans des séries. Et donc, non, je suis ravie, tout me ravit dans le cinéma. Que ce soit avec les réalisateurs ou les comédiens, j'ai eu la chance de travailler avec Daniel Darieux, j'ai travaillé avec Mylène de Mongeau dans Maison de retraite. Je fais la suite de Maison de retraite, je me retrouve à travailler avec Jean Reno, avec des gens que je n'espérais pas un jour rencontrer. Donc non, tout me ravit dans ce milieu. La rencontre avec le public se fait justement dans des festivals, oui, comme ici. Oui. Que ce soit le festival les héros du cinéma et d'atelier qu'organise Patrick, que ce soit tous les petits festivals, et parce que le festival de Cannes, excepté parce que c'est plus guindé, mais tous les petits festivals comme ça sont l'occasion de rencontrer son public. Et j'aime bien les faire.